رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان. Hello les cookers, on se retrouve aujourd'hui pour 3 idées d'apéritifs pour débuter vos tours. Ils sont super simples à faire, rapides et délicieux, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour la première idée, on va prendre une tomate cerise, la planter avec un cure-dent et la tremper dans du caramel bien liquide. Je vous mettrai la recette du caramel en barre d'informations. Et finir avec les sésames. Et c'est tout, et c'est vraiment une pure merveille entre la fraîcheur de la tomate, le sucré du caramel, le croquant des sésames, bref, je kiffe, à tester absolument. Pour la deuxième idée, on va mettre 150 g de fromage frais dans un bol. Y ajouter une cuillère à café d'aneth et une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Après avoir bien mélangé, on va ajouter 3 tranches de saumon fumé coupées finement. Pour former les billes de fromage frais, on va laisser le mélange au frais pendant à peu près 30 à 45 minutes, voire une heure. Et on forme les billes tout simplement. Vous pouvez également ajouter des tranches de saumon pour vous aider à bien les former. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à piquer nos billes avec un cure-dent et les mettre au frais pendant à peu près une heure. Pour la troisième idée, on va ajouter dans un bol 150 g de fromage de brebis et une demi-cuillère à café de menthe. Après avoir bien mélangé, on va laisser le mélange au frais pendant à peu près 30 à 45 minutes. Même principe que tout à l'heure, on va former la bille de fromage de brebis, puis la mettre dans les noix concassées. On pique la bille avec un cure-dent. Attention que la bille ne soit pas trop grosse pour qu'elle tienne bien avec le cure-dent. Et je finis avec un peu de miel au-dessus. Et voilà, on réserve au frais pendant à peu près une heure et on le sert. C'est juste délicieux. Grosse préférence pour la tomate d'amour, c'est une tuerie. Vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes recettes. Sahaf tourkom.